Boker Tov à tous. On continue avec Ve'avad et Temhera me'al ha'aretz ha'tova. Et vous disparaîtrez vite de ce bon pays que Hachem vous a donné. Si on fait attention à l'orthographe du mot ha'tova, donc normalement tova, ça s'écrit tet, vav, bet et le hey. Et là, on voit qu'il est marqué que tet, bet et hey. Pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que quand les Bnei Israël ont été chassés de la terre d'Israël par les Babyloniens, la terre, elle a perdu de sa sainteté. Ça veut dire que même les lois qui étaient relatives à la terre ont été annulées et on ne pouvait plus les appliquer. L'exil de Babel, il a duré 70 ans et la sainteté de la terre d'Israël, elle a été diminuée due au manque de la présence des Bnei Israël. Parce que nous, on est sur cette terre, alors on apporte de la sainteté en faisant des brachot, en labourant la terre, en faisant ce qu'on a à faire en Eretz Israël, en faisant des mitzvot. On nous dit que les Bnei Israël, ils ont été expulsés d'Israël seulement après 850 ans d'habitation. Maintenant, on se pose une question, c'est-à-dire quoi seulement après 850 ans? C'est énorme, 850 ans. Et on nous explique que si on était resté 2 ans de plus, donc 852 ans, dans ces conditions avec tous les péchés qu'on a faits, on aurait perdu la terre d'Eretz Israël pour toujours. Et donc Hachem nous a fait une tova de nous expulser, il nous a fait une faveur de nous expulser après seulement 850 ans. Et on voit que dans la phrase, il y a marqué « Ve'avadetem mehera » avec rapidité. Alors on se pose la question, ça veut dire, attends, on a été expulsé après 850 ans et on nous dit que c'est avec rapidité, on n'arrive pas à comprendre. Et on nous explique que quand on dit « mehera », c'est la notion de temps, elle est relative à Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu, le fait qu'on soit resté 850 ans sur la terre, c'était très rapide. Pour lui, ça s'est passé en une seconde, alors que pour nous, c'est non, ça a été très long. Et quand on va demander le Mashiach, on utilise la même expression. On dit que Hachem, il nous envoie le Mashiach « bimehera » Beyaminu, avec rapidité dans nos jours. Et donc là, on est en train d'utiliser la même expression qu'Akadash Baruch Hu, en lui disant, regarde Hachem, de la même façon que pour toi, 850 ans, c'est passé en une seconde, alors fais que nous, notre exil qui est censé être long, il passe en une seconde. Bonne journée à tous.